Aujourd'hui à Jeanne Culture, on découvre un métier qui est maintenant disparu, celui de marégraphe, et une technique qui fait son retour, le filage au rouet. Martin Trottier, on se retrouve en cette belle journée au quai de Grondines pour que tu nous parles d'un métier très, très méconnu. Celui que tu as déjà fait, marégraphe. Oui, marégraphe. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui. Ben, marégraphe, c'est de se rendre au quai au moins deux fois par jour pour être capable de prendre la hauteur des marées. La hauteur des marées, c'était de se rendre au bout du quai. Il y avait une bâtisse qui était là avec un thermographe. Il marchait avec une flotte qui descendait au profond du cylindre qui était installé là pour avoir un suivi de la hauteur de la haute marée et la basse marée. Ensuite, c'était de mettre un étampe sur ce diagramme-là pour montrer la direction des vents, la force des vents et le temps qu'il faisait. Ensuite, il fallait prendre quand même un ruban, le descendre au plus profond pour toucher à la hauteur de l'eau, pour indiquer la hauteur et ensuite de le marquer sur le diagramme. On sait que c'est super dangereux, cette section-là du fleuve, probablement la plus dangereuse du fleuve Saint-Laurent. Est-ce que c'était en lien avec ça, la prise de données? C'était en lien avec ça pour les bateaux, pour pouvoir se sentir moins dangereux le moins possible pour eux autres, pour avoir les meilleures données les plus précises. Puis est-ce qu'il y avait plusieurs marégraphes sur le long du fleuve? Bien, à mon idée, il y avait dans le temps, de là, X nombre d'années, là, au moins 40 ans de ça, il y avait différentes places. Du côté nord et du côté sud, il y avait d'autres marégraphes qui étaient là. Ce soit des Châlons, le Clairville, il y avait d'autres endroits comme ça pour préciser aux bateaux, à Océan Canada, pour avoir les données précises. Puis là, on parle que ça fait 40 ans puis tout ça, puis que ça n'existe plus. Je l'ai dit en entrée de jeu, mais ça fait combien de temps que ça n'existe plus, ce métier-là? Bien, moi, je l'ai fait jusqu'en 96. Mon père l'a fait avant. Mon père l'a fait au moins 30-40 ans avant moi. Et puis, il m'a donné la relève en 87. Okay. Moi, de 87 à 96, je l'ai fait. Et puis, après ça, de 96 et plus après, bien, ils ont démoli le quai. Et puis, ils ont fait une mise à l'eau pour les bateaux pour remplacer le quai. Le quai était quand même vraiment trois fois plus long de la longueur qui était là. Ouais. Et la bâtisse était située au bout du quai qui était là. Donc, c'est quoi, un kilomètre à peu près de quai? Bien, moi, je dirais environ, il y avait au moins 500-600 pieds de long comme faut de longueur. Puis, il y avait donc une petite cabane, là. On se rendait au bout du quai. On prenait les données. Est-ce que c'est très long à faire? Bien, pour prendre les données, ça rentre au bout du quai. Ce n'est pas quelque chose de très long non plus à faire. C'est quelque chose de 10 minutes de faire l'ouvrage. Mais c'est quand même de se rendre là, au moins, pour prendre les données. Mon père, quand il a commencé au début, c'était tout simplement une petite bâtisse qui se rentrait la tête à l'intérieur et puis qui prenait ses données, ses hauteurs de l'eau. Et c'était ça, son principe à lui. Mais moi, quand j'ai pris la relève, quelques années après, ils ont changé la bâtisse. Et puis, c'était le même principe, sauf que c'était cabane, on était capable de rentrer à l'intérieur et puis on était capable de prendre les données, été comme hiver. Mais à l'intérieur, l'hiver, c'est sûr qu'ils mettaient des lampes chauffantes pour empêcher empêcher de geler parce que les glaces, à un moment donné, ils venaient puis il faussait les données. Fait qu'ils mettaient du chauffage pour être capable de prendre les données exactes. Est-ce que ça a été remplacé, ce métier-là, ou complètement éliminé? C'était complètement éliminé. Il n'y en a plus. Bien, à mon idée, ici, à Grondines, il n'y en a plus. Et lorsque tu prenais tes données, c'était enregistré de quelle façon? Les données, c'est sûr que
On les prenait, puis à tous les fois que je mettais mon étampe sur le rouleau, le diagramme. Parce que c'était une espèce de rouleau dans le fleuve, un cylindre. C'était un rouleau qui se déroulait sur le diagramme. OK. Et puis avec l'étampe, c'était étampé le jour, la date, l'heure que j'y allais. Et puis une fois par mois, on le changeait à tous les premiers du mois et on le mettait dans un cylindre, puis on le postait à Océan Canada à Longueuil. Donc, à chaque mois, on change le cylindre et on part avec un nouveau rouleau, un peu comme un sismographe, ça ressemble-tu un en peu plein à ça? Ça ressemble à une ligne. Ça. Avec une ligne qui indiquait les hauteurs des marées. Puis eux autres, là-bas, rendus au bureau, bien, ils regardaient de nouveau qu'est-ce que c'était les hauteurs des marées, puis à telle heure. Il y avait toute l'indication. Puis j'imagine qu'il y a des jours où c'était comme presque impossible de se rendre. Là, je pense à l'hiver, là, des fois. Il y a des fois qu'on pensait plus à notre vie. On virait de bord, puis on y retournait. On pensait plus au lendemain, y retourner. Oui, c'est ça, parce que tu dis à un moment trop, donné... Trop dangereux, le vent, trop dangereux, le trop glacé, trop enneigé. Fait qu'on décidait, par nous-mêmes, de ne pas se rendre trop dangereux. Oh, il y a des grosses tempêtes sur le fleuve. De trop risquer, oui, c'est trop dangereux. Même les bateaux, il y avait beaucoup de misère par rapport à ça, les glaces. Puis est-ce que les marées, maintenant, c'est pris de quelle façon? Si c'est plus un être humain qui vient... Bien, à mon idée, les marées sont prises plus régulièrement par les bateaux qui passent dans le chenail, avec les bouées qui sont là. OK. Donc, ça serait remplacé par, justement, ceux qui passent déjà là. Déjà là. Je comprends bien. Déjà donc, on n'a pas besoin d'avoir d'autres personnes de plus qui sont des deux côtés du fleuve en train de travailler et tout ça. Bien, moi, je trouve que c'est une autre façon de procéder. Mm-hmm. C'est-tu plus précis? C'est-tu correct? On ne sait pas. Oui, puis qu'est-ce que vous avez aimé de ce métier-là? Je suis curieuse. Bien, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est sûr que certain que c'est de se rendre là. La marée était différente d'une fois à l'autre. La température était différente d'une fois à l'autre. Fait que c'était quand même une belle expérience que j'ai eue de ma vie, puis de mon père aussi qui a eu avant. Oui, c'est ça. Donc, transmission père-fils. C'est votre père qui vous a montré ça, là. Oui, c'est mon père qui l'a montré. Donc, c'est pas un fonctionnaire de pêche et océan qui vient j'ai vous montrer tout le ça. Temps vu mon père faire ce métier-là. Il se rendait deux fois par jour, lui, c'est pareil. C'est sûr que c'était plus de misère, il y a plus de neige dans ce temps-là. Fait que parfois, c'était en raquette l'hiver. Moi, c'est sûr, quand j'ai pris le métier, bien, j'étais différent. C'était plutôt le skidoo que je venais en skidoo. Ah oui, ou, ah, ça... parfois, ou parfois, c'était à pied parce que j'avais de la difficulté à me rendre. De venir voir le fleuve à chaque jour pendant des années, tu sais, puis même ton père a dû vraiment, j'imagine, voir évoluer le paysage. Là, Les paysages étaient complètement différents d'une fois à l'autre. C'est comme je disais, on était curieux d'une fois à l'autre de se rendre pour prendre les marées et pour voir le paysage aussi. Oui, profiter de ce magnifique. Les soit l'hiver, l'automne, les quatre saisons, c'est complètement différent d'une fois à l'autre. Oh, oui, c'est un... Puis d'une année à l'autre aussi. Absolument. Non, ça devait être super intéressant de voir ça évoluer. Oui, très beau. Merci beaucoup, Martin. Gérard Borisette est né ici, à Cap-Santé, en 1898. Son père est couvreur ferblantier et sa mère institutrice. Il étudie au Collège de Lévis, puis à l'Université Laval, et devient notaire. Toutefois, il s'intéresse beaucoup à l'art et à son histoire. Avec un confrère, il commence une recherche de documents sur l'art ancien du Québec. Il répertorie les églises, les œuvres d'orfèvrerie, les orgues, les tableaux et les sculptures. Sa passion l'emporte et il part pour Paris en 1929. Il étudie l'architecture, puis l'histoire de l'art à l'École du Louvre. Diplôme en poche, il revient au pays en 1935. À partir de 1937, il entreprend de faire l'inventaire des œuvres d'art du Québec. Ce travail marque un tournant dans le développement des collections du Musée du Québec. En 1951, Morissette devient le premier secrétaire de la Commission des monuments historiques. Il participe ainsi à la restauration de plusieurs bâtiments patrimoniaux. En 1953, il devient directeur du musée. On le considère comme le père de l'histoire de l'art dans la province. On peut voir les décorations intérieures faites à partir de ses dessins dans les années 1920 dans les églises de Rivière-à-Pierre, de Saint-Gilbert et de la chapelle du centre de vacances Lac-Simon, dont il fait aussi les plans. Xenia Kiseleva, tu es une vraie passionnée de rouets, de filage, tu es propriétaire de ton entreprise Métier Doré, une artisane textile qui est aussi très investie dans la transmission des savoir-faire. Tu donnes des cours aussi. Et cette passion-là du rouet, d'abord cet objet-là, on le voit peu souvent quand même, il est presque disparu, mais là, tu essaies de
ramener. Ah oui, en fait. Ça sert à quoi, ça, un rouet? Ça sert à fabriquer du fil, justement, parce qu'avant qu'on puisse tisser ou tricoter, il faut avoir du fil à main. Puis ça, ça se fait à partir de la fibre. Même aujourd'hui, là, tout ce qu'on porte, peu importe les fibres synthétiques, naturelles, d'origine végétale ou animale, il faut les filer à partir de la fibre. Donc, le rouet, ça sert à convertir un fluff, du polyester ou du mouton, en fil. C'est aussi un objet qui est super intéressant en termes d'histoire parce que c'est à la base un petit peu de notre histoire de civilisation humaine. Tout à fait, parce que la civilisation, ça entraînait toujours des vêtements. Le lin a été cultivé. Les gens ont pu non seulement s'habiller en vêtements, mais c'est aussi, par exemple, l'histoire de la navigation à la voile. Ça a été rendu possible 5000 ans avant Jésus-Christ grâce à la cultivation du lin qu'on a appris à filer le lin pour ensuite le tisser, pour coudre des voiles, pour pouvoir naviguer la mer. Donc, c'est non seulement les vêtements, c'est aussi beaucoup... L'exploration. L'exploration, oui, exactement. Le transport, oui, c'est puis, fou. Ça nous prend des linges de lit, ça nous prend des serviettes, ça nous prend les tissus de recouvrement. Tout ça, ça prend des fils. Toutes les fils se font à partir de la fibre. Ouais. Puis quand on le maîtrise, ça nous fait du bien sur tous les niveaux. Je dirais au niveau de l'autonomie... C'est comme un cadeau, tu apprends à décortiquer les choses très compliquées. Quand tu es rendu à la base, de la base de la base, là, tu comprends que vraiment tout est possible. Là, ça te rend confiant. Puis toi, les gens qui font les cours avec toi, justement, pourquoi on voudrait apprendre à filer en 2024? j'ai toutes sortes d'élèves. J'ai de l'intérêt qui vient. La plupart des gens, je dirais, c'est l'intérêt vers la fibre textile, côté textile. J'en ai du côté anthropologie. Ouais. Patrimoine, okay. Savoir comment que ça se faisait avant. J'ai des gens qui ont besoin de ça pour leur vie quotidienne, comme j'ai eu des ados qui, la fille, c'est école à la maison, à la campagne, Bellechasse s'occupait des moutons, c'était elle, 16 ans. Elle voulait savoir comment filer. Je dirais pour évacuer le stress. Mm. Souvent, c'est ben, les infirmières ou les gens comme en urgence, soins intensifs. Ah ouais, hein? Ça fait même ça. OK. C'est ça. Des fois, OK, ben, j'ai comme rien à faire, je vais essayer. Puis la personne est vraiment amorcée. Pour apprendre à filer, ça nous prend un rouet, chose que peu de gens ont quand même. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y en a chez les antiquaires. Des fois, il y en a dans nos garages, chez nos grands-parents. Il faut apprendre à comment le faire fonctionner. Des fois, il est en pièces détachées. On voit souvent juste la roue, c'est ouais, ça? Ouais, ouais. Fait que toi, il y a tout ce savoir-faire-là aussi. C'est pas juste de savoir filer, c'est de savoir comment le réparer, le rendre, c'est ça, le rendre fonctionnel, finalement. Vivant, oui, le revitaliser. Oui, c'est ça. J'ai commencé à m'occuper profondément de la revitalisation, on peut dire, ouais. Des rouets du comté. L'année passée, j'ai aidé quelqu'un à sortir les rouets de sa grange. Donc, ça a fait comme une trentaine de rouets. Et en espérant d'en sauver une quantité, il y avait juste deux que je pouvais réparer. Okay. Mais ça a été un super beau projet. Et d'autre côté, j'avais toujours les gens qui ah, ben, j'ai pas de rouet, comment que je fais? Ou qu'elle amène le rouet qui était dans la famille, il y en a quand même. Puis, ici, je sais pas que ça marche pas. Puis ici, c'est décollé. Alors, bouche à l'oreille, fil en aiguille, justement. Et là, on est dans le thème. Justement, j'ai trouvé un ébéniste professionnel qui a dit d'accord pour réparer les rouets. Donc, on travaille ensemble, on fournit comme le service complet à la clientèle, on peut dire. Aussi à l'école là, où que j'enseigne avec Culture et patrimoine de Chamon-Grandzen, une entente qu'un élève peut partir avec un rouet, louer un rouet entre les cours, parce que mon cours se donne sur trois fins de semaine. Donc, elle a une possibilité de pratiquer le travail pendant une semaine. Même quand j'enseigne en privé, je fais la même chose. C'est essentiel. Ouais. La plupart de la réussite, c'est vraiment la pratique. La pratique, c'est un peu comme un sport ou n'importe quoi, en fait. Comme, hein, il faut se pratiquer. C'est comme un vélo qui file. Ouais. C'est le même, ça ressemble comme machine. Il y a des ratios, il y a la transmission, mais ça prend de la pratique. Tout le monde sort avec un écheveau dans la main. Et fier de son travail. Fier de son travail, accompli, c'est ça. C'est vraiment taux de réussite, je dirais, 100%. Mais merci beaucoup, Xenia. Ça nous donne le goût de se réapproprier ce savoir-faire-là. Merci énormément.